Alors, je suis mécanicienne et ma thèse est en fait divisée en deux parties. La première, la partie visible, celle qui me permet de briller en société. Les métamatériaux, ce sont des nouveaux matériaux dont les propriétés physiques exceptionnelles n'existent pas à l'état naturel. J'ai par exemple développé une cape d'invisibilité électromagnétique, c'est-à-dire un matériau qui dévie la lumière. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que la lumière rebondit sur ma succulente personne avant d'impacter vos yeux ébahis. Si j'utilisais une cape d'invisibilité, tel un Harry Potter des temps modernes, la lumière serait déviée, elle coulerait autour de moi à la manière dont l'eau d'une rivière coule autour d'un rocher et reviendrait ensuite par le même chemin dans vos yeux. Tout en étant physiquement présente, vous ne me verriez pas, mais vous verriez ce qu'il y a derrière moi, je serai invisible. Et pour ce faire, il est nécessaire de trouver la solution optimale à ce problème mathématique. Comment répartir les matériaux dans un composite pour qu'ils dévient la lumière? Ce qui m'amène à la seconde partie de ma thèse, invisible cette fois, mais pas moins intéressante pour autant, qui consiste à développer la méthode mathématique qui résoudra le problème précédent. Cette méthode, l'optimisation par essaim particulière, est inspirée de la manière dont les groupes d'oiseaux et les bancs de poissons se déplacent. Il n'y a pas de chef parmi eux qui décide de la marche à suivre et chacun n'est doté que d'une intelligence somme toute limitée. Cependant, en se suivant les uns les autres, ces individus, ainsi dotés d'une nouvelle intelligence collective plus efficace que leur propre capacité personnelle, trouvent finalement le point le plus propice à leur survie. J'ai ainsi développé une méthode d'optimisation mathématique basée sur cette intelligence collective à laquelle j'ai ajouté un processus de communication. On pourrait comparer ça avec un groupe d'amis qui part en vacances. Toi, par exemple, ton but dans la vie, c'est de partir au camping municipal de Vesoul. Je le sais. Donc tu pars tout content avec ta voiture et tes trois copains. Le premier conduit, le deuxième lit la carte, le troisième regarde les panneaux. Toi, tu es malade, tu vomis. Et donc, vous discutez tous ensemble au meilleur chemin pour atteindre votre objectif, pour trouver le camping. Donc, vous échangez des informations, vous discutez et vous réussissez finalement à trouver le camping. Dans mon cas, ce sont des solutions mathématiques qui discutent, qui communiquent pour trouver la solution à mon problème, le métamatériau, l'invisibilité.